Salut Francis, ça va? Bonjour. Ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Mets-toi à l'aise, assieds-toi. Ah, toujours aussi confortable ce fauteuil. Ah, parfait pour la sieste. Ouais, je savais, t'as raison. Tu n'imagines pas le nombre de bouquins que j'y ai lus. Et tu lis quoi? Les 10 petits nègres? T'es fou? T'es pas au courant? T'as pas le droit? Attends. Au courant de quoi et pas le droit de quoi? Bah ce livre, il est blacklisté. Tu n'as pas le droit de l'avoir. On peut te le confisquer ou pire. C'est insultant pour les personnes. D'ailleurs, ils cherchent un nouveau titre. Et légalement, tu aurais dû le brûler, ton exemplaire. Mais attends, c'est hallucinant. Je suis complètement injuste, mais ça fait des années que je l'ai ce livre, je suis trop content de l'avoir retrouvé. Je me souviens plus de la fin, et je vais te dire, je me fous du titre. Ce que je veux, c'est savoir qui est l'assassin. Donne-moi ton livre. Ça va pas bien. Mais si. Non, mais jamais de la vie. C'est ridicule. Fais chier le politiquement correct. France Ultramarine met fin à ses programmes ce soir à 0h49. Décryptage d'un échec d'ici quelques minutes. Dans notre page culture, focus sur la ressortie d'un roman d'Agatha Christie dont le titre suscite la polémique. Les 10 petits nègres deviennent désormais les 10 petits. T'en prie, fais comme chez toi. Te dérange pas, Francis. Je venais te présenter mes excuses pour la dernière fois. J'admets m'être un peu emporté. Alors ça, c'est l'euphémisme de l'année, hein. Mieux en rire qu'en pleurer. Je t'en veux un peu quand même, tu sais. Bon, sinon, heureusement, j'ai acheté le livre avec le nouveau titre, hein. Et maintenant, je vais savoir qui est là, ça, ça. J'aurais pas dû te précipiter pour l'acheter. Reprendre une deuxième fois, ah, ça va pas. Je veux savoir qui est l'assassin. Tu me l'auras pas, tu ne l'auras pas.
vraiment chier le politiquement correct.